Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer pourquoi nous avons décidé d'aller vivre à la campagne. Et tout d'abord n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche bleue et de mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît, pour m'encourager à ça. Alors on a créé cette campagne Litchi, donc pour essayer de récolter des dons, etc. etc. Il y a aussi... Vous pouvez le mettre directement des dons sur PayPal, exactement. Directement. Alors, on a décidé d'aller vivre à la campagne. Donc, en premier lieu, dans une yourte, hein, le temps de faire une construction en bois. Tout d'abord, pour l'économie. Alors, l'économie, c'est quoi? Ben, c'est plus payer de loyer, plus payer d'électricité, ne plus payer de tout, en fait. Plus d'eau, plus d'électricité, ne plus avoir de facture en général. Donc, alors, tout le monde me pose la question de savoir pourquoi je ne fais pas un crédit à la banque. Alors, je fais pas un crédit à la banque parce que on veut dépendre entièrement des banques, de ne pas faire de crédit, de justement de ne pas leur payer d'agio, de ne pas leur payer de crédit, etc., etc. On veut garder notre argent pour nous. Alors, on veut continuer à travailler. Hein, bien sûr, hein, donc on a choisi d'aller habiter à Saint-Germain-des-Bois. Pourquoi? Parce qu'on est à 1 km de l'école, on est à 1 km du village, donc pour aller travailler, puisque moi je suis auto-entrepreneur et je vais continuer à aider les gens, peu importe où je suis. Il y a aussi le fait que ma femme veut continuer à travailler aussi. Donc on veut continuer à travailler tout en étant indépendant des factures, indépendant de l'État, etc., etc. Donc voilà, donc on a décidé de vivre en ferme permaculteur, donc ce qui fait qu'on va faire pousser tous nos légumes. On va faire pousser ben, ce qui est principalement les légumes du quotidien, donc tomates, etc., carottes, poireaux, pommes de terre, etc., etc. On a des fruits aussi qu'on va essayer de faire pousser, donc tout ce qui est bananes, kiwis, melons, il y avait quoi aussi? Il y avait des graines de moutarde, etc., etc. Ça sera dans une serre chauffée. Donc on a décidé aussi pour l'électricité d'avoir des panneaux solaires. Donc des panneaux solaires en soi, c'est pas très 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 cher. Hein. Mais c'est pour ça qu'on veut récolter aussi de l'argent pour justement pouvoir être indépendant de l'État, d'être indépendant de factures, etc., d'être indépendant électriquement. Donc on a créé la cagnotte Litchi pour justement récolter des dons un maximum pour pouvoir être indépendant financièrement. Ensuite, on a décidé de vivre dans une yourte. Pourquoi une yourte? Parce que dans une yourte, on peut y mettre un poêle à bois. C'est très grand parce que nous, la yourte qu'on veut, elle a la capacité d'accueillir 12 personnes. Donc c'est quand même pas mal. Et on a décidé aussi de faire en sorte que tous ceux qui participeront à la campagne Litchi ou par PayPal, etc., etc., on va dire qu'au bout d'un an, quand on sera bien installé et tout, on vous invitera, vous, ceux qui ont participé à la cagnotte, on vous invitera un week-end. Donc, pour ceux qui sont partants, hein, ceux qui veulent venir un week-end, prendre une tente et venir s'installer un week-end et voir comment on vit, parce qu'on va pas vivre comme des. Il y en a beaucoup qui disent qu'on va vivre comme des clochards, mais non, on va pas vivre comme des clochards, on va vivre normalement, on va vivre comme des gens normaux, mais indépendants. On sera indépendant de l'État. Donc on a trouvé le terrain, il manque encore de l'argent pour acheter le terrain, donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous, et puis que on veut justement acheter ce terrain avec la campagne Litchi, etc., pour justement pas avoir à faire de crédit pour les banques. Donc je compte sur vous, hein, pour ceux qui veulent participer, ceux qui veulent mettre des messages d'encouragement, etc., etc. Moi je compte sur vous, et puis pourquoi pas vous inviter un week-end ou même plus, hein, si c'est pendant les vacances, comme ça au moins vous ferez connaître la campagne à vos enfants, etc. Et je vous inviterai à venir chez nous, à voir comment on va vivre, parce que nous ce qu'on veut c'est préserver aussi la nature, de ne pas... De faire en sorte que l'État n'achète pas les terrains en forêt pour pas construire des immeubles, pas construire des maisons qui servent à rien, en dur, etc. Donc nous, on veut préserver la nature, puisque le terrain qu'on veut acheter, il y a des biches, il y a des renards, il y a des sangliers, etc. Et nous, on veut préserver cette nature pour pas que les chasseurs les tuent, ou les gens, ou les constructeurs, hein, en général, hein, les constructeurs tuent ces animaux-là. Donc nous, on veut préserver un maximum la faune et la flore. Donc voilà.
Donc, si vous voulez nous aider, je mettrai un lien dans la description de notre campagne Litchi, etc. Et vous pouvez aussi par PayPal, il y a le lien sur ma bannière YouTube. Donc, j'accepte tous les dons, hein, de 1 euro à ce que vous voulez, etc. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à participer, à par en parler autour de vous, et puis peut-être que je vous inviterai à venir nous voir. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour les notifications, et si vous voulez, la partager un maximum. Merci à tous.